Donc bonjour à tous, je voulais vous faire une rapide vidéo en fait sur tout ce que j'ai pu acheter à Action pour décorer mon journal de prière. Et je voulais vraiment faire une vidéo parce que pour tout ce que j'ai acheté, j'en ai eu à peu près pour 18 euros. Alors que franchement, dans d'autres magasins pour papeterie, je pense que j'aurais facilement dû payer 30 euros. Donc ici, on a des washi tape. Les deux en fait, chacun m'a fait à peu près 65 centimes. Ici, on a tout ce qui est stickers. Là, ce sont des sortes de stickers, mais en attache parisienne. Ça, c'est des stickers. Là, c'est la même chose. Ici, ce sont des strass. Là, c'est des trombones. Chaque patch de stickers m'a fait à peu près 1 euro. Donc là, c'est des trombones aussi qui m'a fait, qui m'ont, ça m'a coûté 1 euro à peu près. Et par contre, j'ai fait une petite erreur. Chaque de ces stickers m'ont pas fait 1 euro. Ils m'ont fait entre 50 et 1 euro. 50 centimes et 1 euro. Donc c'était selon le modèle en fait. Alors ici, ce sont des feutres, on va dire. Spécial pour faire tout ce qui est calligraphie et dessin. Donc voilà, ici c'est à ceux qui sont en pointe fine. Là en fait, ce sont des stylos fluo et j'aime beaucoup parce que du coup, moi pour surligner ma Bible, j'utilise pas le surligneur parce que le surligneur avec le temps ça part en fait et finalement ça c'est plus très utile, mais avec les stylos ça reste. Donc j'ai pris des stylos et en général c'est ce que je préfère pour surligner les passages de la Bible. Donc là encore c'est des feutres à pointe fine et épaisse pour faire des dessins. Et ici, en fait, ce sont des cartes postales, en fait. Donc ici, on a la présentation et derrière, on a toutes les cartes postales qu'on peut faire avec ce pack. Et on peut les utiliser comme on veut, en fait. Et la dernière chose que j'ai achetée, c'est ici ce lot de tampons. Donc, il y en a plusieurs et à l'intérieur, il y a plusieurs motifs. Il y a différents motifs. Et du coup, voici l'encre. Et donc l'encre, ça m'a fait à peu près 1,50 € et la jarre de tampons, ça m'a fait à peu près 2,16 € quelque chose comme ça. Donc, je voulais vraiment faire cette vidéo surtout pour souligner que pour tout ça, j'en ai eu seulement pour 18 euros. Et donc, voici mon Warbinder, mon journal de prière que j'ai acheté chez Emma, par contre, à 7 euros. Il est au format A4 et du coup, je vais le customiser et vous présenter bientôt ce que j'aurai fait comme journal de prière. Merci beaucoup, à bientôt.